pour la Côte d'Ivoire pour ce début de partie, plutôt à leur avantage. Ballon est contré deux fois, c'est pas possible. Décidément, ils sont maudits, les Japonais, avec un nouveau but contré. Alors on verra si c'est un but contre son camp. Mais en tout cas, que de malchance pour ces Japonais, décidément. Il vaut mieux que ça leur arrive avant la compétition, mais en deux matchs, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bon, il va quand même vraiment falloir se pencher sur, un petit peu sur ce problème du côté de l'entraîneur japonais. On ne peut pas sans arrêt... c'est encore Tanaka, surtout. C'est encore Tanaka, décidément. Il va finir le meilleur buteur de la Coupe du Monde contre son camp. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Il y a quand même, de discipline, mais quand même, il y a des choses à régler. Vous voyez, le mur s'est complètement disloqué. Déjà, forcément différemment. Parce que là, au-delà des réglages techniques, tactiques qu'on effectue, maintenant, le mot d'ordre pour la dernière semaine avant la compétition, c'est la récupération physique, retrouver le tension. Ce ballon, 2-0. 2-0, deuxième poteau. Touré. C'est Kolo Touré qui s'est jeté, le buteur de Manchester City. Le buteur défenseur d'abord. Et là, c'est le buteur aujourd'hui. Un peu à la William Gallas, là. Il était bien placé. Et c'est vrai que ce genre de joueur est bien... monter pour de la tête, du pied, souvent marqué. Ça fait 2-0, c'est quand même assez logique, même si la Côte d'Ivoire ne force pas son talent. Mais il y a quand même une classe d'écart entre l'équipe africaine et le Japon. Aujourd'hui. Habitué Kolo Touré à ce genre d'action, il l'a souvent fait, surtout à Arsenal. Très bien frappé par Salomon Kalou, là. Non, c'est Tiené, pardon. Ils sont tellement seuls, Kolo Touré. Ouais, là, la défense, ils sont trois au deuxième poteau même, au-delà du buteur. Touré, très, très habitué, on l'a dit, à couper ce genre de trajectoire.